Et bonjour, donc nous voici pour une petite présentation des deux jeux Bicycle. Alors là, c'est exactement les mêmes, donc je vais les présenter en même temps. Le Bicycle vilain, donc le jeu vert, le jeu violet. Voilà. Donc du coup, on est sur des étuis un petit peu gaufrés, avec des inscriptions qui sont vraiment, on va dire, dorées. Enfin, pas dorées, puisque doré, c'est couleur or, mais brillant. Voilà, donc autant sur les deux. Et voilà. Allez, donc on va commencer par le vert. Donc j'ai regardé, donc c'est des jeux, j'ai pas trouvé d'asymétrie. Donc je considère que le jeu n'est pas asymétrique. Donc on retrouve, ben, comme son habitude, les cartes publicitaires. On va retrouver une carte, donc Disney vilain. Ici qui correspond donc au jeu vert. Voilà. Et ensuite, donc au premier coup d'œil, quand on étale, le jeu ressemble à ça. Au niveau du dos. Et au niveau de la face, ça ressemble à ça. Donc on a des cartes où ben, les rouges sont symbolisées par les cartes vertes. Et les cartes noires sont du violet très foncé. Les deux jokers. Donc du coup, ben, les deux jokers sont exactement les mêmes jokers que le vilain qui est ici. Il est violet. Voilà. Donc il symbolise, on va dire, le joker rouge. Et celui-là, le joker noir. On voit Cruella, le roi lion, ou je sais plus lequel. Le roi lion. Non, c'est pas le. C'est un nom, Non, je il me n'y a pas de rappelle roi plus. lion, non. Je Ah me si, rappelle plus le nom, mais c'est pas le c'est roi lion. Jafar. Voilà, Voilà. Jafar. Mais oui, dans le Roi Lion, oui, tu as raison. C'est ça. Voilà. Allez, c'est parti. Mais tiens, celui-là, il n'est pas dans l'ordre de jeu Bicycle. Le roi de cœur. Ici. C'est Peter Pan, oui, c'est le Capitaine Ah là, Crochet. me demande pas. Enfin oui, Capitaine Crochet, là oui. Mais les autres, à part peut-être ça, mais. La dame de cœur. Donc, bah, lui, je suppose que c'est Robin des Bois? Robin des Bois. Non, c'est pas Robin des Bois, Non? c'en est un autre. D'accord. Bah, moi, je ne connais pas. Donc, mais bon, avec des Parce que flèches. c'est pas un méchant, Robin des Bois. Ouais, après, puis en plus, il est costaud pour un Robin des Bois. Ouais, t'as raison, c'est pas Robin des Bois. Le 10 de cœur. Je les ai marqués sur le site. De toute façon, moi, les trucs de Disney, j'en connais quasiment aucun. J'ai pas cette culture. Hop, je vais mettre les as sur les côtés. Le roi de pique. Donc lui, ça je sais que c'est le méchant dans Aladdin, ça c'est sûr et certain, parce que je reconnais le perroquet. La dame de pique. Cendrillon, non, Blanche-Neige. Ou ouais, enfin, elle, du coup, c'est pas Blanche-Neige, Ouais, c'est c'est la sorcière de voilà. Blanche-Neige. Le valet de pique, ça c'est. J'ai sur le bout de la langue. Mais je la connais. J'ai vu d'ailleurs le film Maléfique. Il y a pas très longtemps. Le 10 de pique. Le 8. Hop. Avec une petite frise sur le tour. C'est ça. L'as que je mets ici. Le roi de trèfle. Donc avec le lion que tu disais. La dame de trèfle. Alors ça, j'en ai aucune idée. Valet de trèfle, non plus. Décidément, hein, je vous l'avais dit, hein, les Disney, moi, c'est pas mon truc. Donc on va retrouver exactement la même chose sur le jeu violet. Tiens, les as, je les mets là. On a le roi de carreau. On a la dame de carreau, bah, qui est là, par contre, est Cruella. Ça, c'est celle de Cendrillon, des Le dessin dalmatien. Saint Dalmatien. Valet de carreau. Bonne question. Et c'est Ouais. les nouveaux Ouais, ça, lions. je connais pas, moi. Hop. Et voilà. Et on termine par l'as de carreau ce coup-ci.
Allez, donc les as, eh ben, comme son habitude, là ça change rien. Hein. On a toujours les symboles au milieu qui sont beaucoup plus gros. Et l'as de pique est dessiné. Après, voilà, rien de particulier sur ce jeu. Donc ça, c'était une petite présentation, pardon, du jeu vilain en vert.